Et donc salut à tous, c'est Vendredi pour ce nouvel épisode de Fallout 4 Settlement Builders. Et donc du coup on va se prendre là où ça a été arrêté, donc ça veut dire ici. Donc du coup cette fois je pense qu'on va terminer la prison en fait, slash bureau du shérif, slash commissariat. Donc du coup alors hop. Parce que là pour les cellules il me reste plus qu'à mettre l'éclairage plus les portes. Donc je pense qu'on va s'occuper aussi de l'éclairage vite fonce tant qu'on y est. Bon déjà je vais finir un peu la déco intérieure, donc il reste plus grand chose à mettre à part des tableaux. Voilà, genre ces trucs là. Ça va très bien pour ça. Voilà. Sauf que ça respecte bien l'ordre qui règne ici. Alors voilà, hop, donc ça c'est bon, on n'a pas besoin d'autres tableaux. Ensuite on peut y mettre des panneaux. Déjà il faudra y mettre les drapeaux de la milice. Allez. Je sais que tu peux le faire, enfin la route 4. Dégage, je vais te redresser un peu. Je vais te recentrer. Voilà, merci. Parfait. Toi, ensuite, tu vas là. Et tu vas là, voilà. Comme ça, les deux sont à peu près à la même hauteur. Donc, du coup, ensuite, du coup, on a toujours besoin des. Ça fiche, voilà, des panneaux. Désolé. Comme je l'ai dit au début du plan de départ, je suis un peu remé. Donc, du coup, alors, hop. On va mettre ça. Voilà, parfait. Donc la propagande c'est bon, ensuite hop, ça c'est obligatoire. Là c'est juste pour le lol, voilà, hop, please no smoking avec les trucs de cigarettes. Ça c'est genre obligatoire quoi. Ensuite j'ai besoin d'une autre déco qui se trouve pas là mais qui se trouve dans le SKE Decoration. Et normalement c'est par là.
Ok, donc déjà ça, on a ça pour commencer. On va l'enlever après. Pour le moment, on le laisse là. Le shérif qu'on pourrait essayer de balancer quelque part. Protéger par la confrérie de l'acier, protéger par les munitions, on s'en fout de ça. C'est vrai qu'il y avait plus de trucs là-dedans. Mais ça, on va là, essayer de le réduire. Alors, c'est ce qu'il est 0.5, je dirais. Ouais, 0.4. Mieux. Heureusement que ça a quand même une bonne résolution, c'est ça le team. Alors. C'est pas là, c'est peut-être là-dedans. Voilà, parfait. On va le baisser un peu, voilà, mieux. La propagande, on s'en fout un peu. On dit ça. Ici, voilà, parfait. Il est où ces trucs que je veux depuis tort, quoi? Il manque juste ça en plus, c'est le pire. Juste ça, si je redimensionne le panneau du haut qui gêne depuis tort. On est bon quoi, purée, mais c'est pas vrai. C'est peut-être là-dedans en fait. Purée, mais c'est pas vrai. Je vais le trouver ce truc de merde. Ah, je vais pas devoir faire une ellipse pour ça quand même. Ah voilà, merci enfin. Purée, je savais que j'arriverais à le trouver.
Ah, merci, au revoir. Donc, du coup. Oula, oula, oula. J'ai pas aimé ce qui vient de se passer là. J'ai bien cru que le jeu avait crash. Nickel comme il faut. First try, quoi. Bon, alors. Alors, maintenant, on utilise le mode pause. X1, je dirais. Ouais. Ensuite, Y. Moins 1. Ok, parfait. Donc, du coup, on se remet par là. Ensuite, si je puis mettre un coup de Z. Eh, ça rentre en plus. C'est le pire. Évidemment, là je peux plus le choper, donc écoute, t'es obligé de recharger la save si tu veux. Si tu veux plus que le truc bug, c'est pas grave. Là, oui, quoi, ensuite là. Bon, il dit que j'avais plus qu'à y mettre les decks maintenant. Bon, je pense pas que ça va trop bugger pour mettre les decks. Quand même m'assurer d'une sauvegarde au cas où. Parfait. Je vous garde quand même un coup au cas où ça crache. Allez. Voilà, le bazar Voltec qui se trouve par là. Pour le gros lag là. Oui, vraiment désolé. Vas-y. Ou bien et bah évidemment parce que là hop on plus le connecter par là, voilà, ce serait un peu plus logique. Voilà, on va comme ça on a le fil qui vient directement par là. Du coup voilà, ensuite lumière, on va sortir déjà la lumière Voltec pour commencer. C'est de ça qu'on va se servir le plus dans ce bâtiment en fait. Pour une fois, vous allez dire. Alors hop, voilà, touc. Oh misère. Ça. Ça on y met là. Et je pourrais les petites sections comme ça, ça éclaire quand même bien ces trucs.
Par contre, c'est un peu la galère à placer, je l'avoue. Parce que je suis en fait obligé de viser plus bas que le plafond. Du coup, c'est un peu saoulant pour y mettre. Hop, voilà. Il est directement au plafond comme je le ferai d'habitude. Ça qui rattache un peu plus ardu. Donc, du coup, on va mettre ça. Normalement, tout est calculé. Heureusement qu'on a ces petits trucs pour éclairer quand même, parce que purée, ça sauve la vie quoi. Alors on fait un bon éclairage par là. Et bah du coup voilà, ça c'est fait. Donc du coup maintenant on n'a plus qu'à mettre les portes. Et comme ça on en aura terminé avec ça. Parce que normalement l'extérieur je viens de le faire, donc ça c'est fait aussi. Ouais bah du coup il ne manque plus qu'à mettre les portes. Donc du coup les portes on va les dans. Ou maker, structure, d'or. Alors, reste plus qu'à chercher la porte de prison qui doit se trouver dans le coin. Voilà, parfait, c'est la deuxième que je. Voilà, parfait. Donc là, du coup, on va chercher la porte classique. Alors, d'or, là voilà, parfait, nickel. Voilà, parfait. Donc, du coup, bah voilà, on a terminé. Bon, et quoi que, non, on va juste virer cette boîte tous les trois, on va la placer. Pour sa pote qui est complètement neuve. Donc, du coup, on termine pile dans les temps, quoi. Donc du coup, ben, moi ce que je vais faire, je vais quand même refaire un dernier tour, voir si on a tout. Normalement on a tout. Hop là. Raté, mais normalement là, ouais c'est bon, on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. On a bien la déco ici. Du coup, ensuite on a bien ça. Du coup, on a toujours le bâtiment principal. Et donc du coup, ben voilà quoi, on est bon. Du coup, là aussi on a la déco qu'on veut. Et bah du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter cet épisode-là, donc du coup à la prochaine, salut à tous!